La paix, la sécurité et le développement économique et social vont de pair et se renforcent mutuellement. Comme partout ailleurs, ce qui fera la prospérité de l'Afrique, ce sont les progrès dans les domaines stratégiques des ressources humaines de qualité, des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture, pour ne citer que ces secteurs prioritaires. Ce sont ces secteurs qui, en milieu rural comme urbain, portent la croissance, favorisent la création d'emplois et soutiennent la compétitivité. Je sais et je m'en félicite que les discussions en panel ont porté sur ces secteurs prioritaires et notamment le financement des infrastructures par le partenariat public-privé, le co-investissement, la sous-traitance, entre autres. C'est pourquoi nous nous réjouissons que les patronats africains et français se soient retrouvés avec vous, Monsieur le Ministre, pour examiner notre avenir commun. Je note également avec satisfaction que le taux d'investissement direct étranger en Afrique a été multiplié par 10 au cours de la dernière décennie, avec des investissements massifs de plusieurs pays. Comme ce fut le cas au début du miracle économique asiatique, il y a 25 ans, un accroissement relativement faible du taux d'investissement en Afrique peut reproduire des gains de productivité très élevés. C'est ainsi qu'on estime généralement que notre continent, qui représente aujourd'hui 4% de la richesse mondiale, pèsera 7% en 2030 et 12% en 2050. Donc, le 21e siècle va donc consacrer inéluctablement le décollage économique de l'Afrique. La France demeure un partenaire privilégié de notre continent. La Côte d'Ivoire salue la volonté de la France de renforcer sa contribution au décollage de l'Afrique et de l'Afrique francophone en particulier. La France est une amie de la Côte d'Ivoire et nos deux pays continueront ensemble à œuvrer à l'approfondissement de leurs relations économiques, empreintes de respect mutuel, pour le bien-être, bien évidemment, et les intérêts de nos deux peuples, de ceux de la sous-région. Africa has got all that it takes to become a prosperous continent. The prevalent poverty on the continent is a contradiction in terms, but it can be made history. And the continent can become the new economic powerhouse of this planet. Africa is well endowed with natural resources such as land, minerals, oil and gas, forests and marine-based resources. The security situation on the continent has improved significantly. There are by far fewer conflicts raging in Africa now than they were two decades or a decade ago. And what is more encouraging is the fact that most conflicts are managed and resolved by Africans themselves through mechanisms established under the African Union or regional economic groupings. Africa's political and governance landscape has changed for the better, and things look more promising in the future. Trop souvent, nous avons le regard tourné vers le passé et parfois la compassion. Nous regardons l'Afrique comme si elle était le continent souffrant. Et nous ne voyons pas encore que l'Afrique est le continent de demain, le continent d'avenir. Et qu'il y a là une opportunité d'abord pour les Africains de s'en saisir, pour marquer encore davantage leur affirmation, leur volonté, leur capacité, mais une opportunité aussi pour les grands pays industrialisés de venir investir en Afrique. Autrement dit, l'Afrique n'est pas un continent fermé sur lui-même, dont la croissance serait endogène. Elle est véritablement un continent qui s'est ouvert pour exporter et pour importer.
alors que là, aujourd'hui, nous parlons des emplois qui peuvent intéresser Français et Africains. Mais je pense surtout que le regard vers l'Afrique, sur l'Afrique, doit profondément changer. Et si nous pouvons convenir d'ouvrir les yeux de ceux qui n'ont pas encore compris que l'Afrique était une chance pour elle-même, une chance pour l'Europe et une chance pour la France, ce colloque aura déjà été utile. Parce que quand on ouvre les yeux, on peut aussi ouvrir les bras. Merci.